Salut, donc sur ce rythme endiablé, sur le ouais, la musique du Velt, je rentre dans la caverne. Bon, là j'ai plus Mog, hein, donc combat. En même temps, tant mieux, hein, parce que c'est chiant, tout esquiver comme ça. Bon, ok, c'est plus rapide, mais... Merde, je suis bourré, qu'est-ce que... Je fais ça, moi, comment faire. Pourquoi ils sont assez résistants et en plus voilà, ils récupèrent leur vie en fait. Enfin, ils nous prennent la nuit. Bon, je crois qu'Edgar, j'ai tous ses outils, si je me trompe pas. Et plus utile étant la tronçonneuse et le truc là qui donne une faiblesse à l'ennemi. Oh, bah, plus son nom. Ouais, eux, ça sert à rien de leur parler, ils disent des trucs pour être hyper rigolo. Ouais. Et puis c'est tout, enfin je crois. En tout cas, c'est pas important, on s'en utile le bise de sa vie. Avec ça comme ennemi ici ou quoi? Ah, je préfère quand même plus ça, parce que c'est pour se couper avec l'autre. C'est le gros inconvénient de la tronçonneuse, c'est que ça a deux attaques et quand ça marche pas, voilà, autant prendre l'autre quoi. J'y crois pas. J'aurais dû prendre Mog là. Putain, le... c'est pas possible. Je crois pas, c'est un monstre qui vient me faire chier. Voilà pourquoi faut pas être le truc tout le temps. Alors je ne rappelais pas que c'était très long, hein. Ça devrait pas l'être trop, enfin, si on compte pas les combats. Ah, en fait, il y a que ça comme ennemi, apparemment. Moi qui comptais récupérer 3 persos dans la même vidéo, je sais pas si ça va être possible, non? Ah oui, d'accord. Quel boulet. Ah bah non, voilà un autre ennemi qui a l'air assez chaud. Ah bon, la taille on s'en fout, on va le buter quand même. Il a beau être grand, il va pas trop nous poser problème à mon avis. Bon d'accord, il a de la vie, mais on s'en fout. Ça c'est bien quand Sabine se fait pas blesser quoi, mais c'est énorme quoi. C'est pour ça que Sabine faut qu'il ait le plus de vie possible. Comme ça il soigne plus. Ce que je vous ai déjà expliqué, c'est sa vie divisée par le nombre de personnes.
mais il contre-attaque à chaque fois, quoi. Putain, ça marche plus, hein, c'est bizarre. Ouais, il contre-attaque à chaque fois qu'on fait un coup, en fait. Apparemment. Il y a deux escaliers, mais ça sert à rien, je veux dire. Attaquant, alors ça doit être une relique qu'ils ont. Je sais pas si. Ils l'ont traduit comme de la merde, à mon avis. Attaquant, qu'est-ce que ça peut être ce truc? Putain, c'est une arme ça, attaquant? Putain, mais faut comprendre hein, quand même, parce que ça veut rien dire leur truc. Alors, attaquant, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. C'est une arme pour Shadow. Un Shadow. Oh putain. On est où là? D'accord, avec ça j'ai dû voir un truc en fait. Je retourne en arrière. Je vais encore me perdre sur un truc de 3 mètres carrés. Bien qu'au début je me rappelle que je me perdais dans le château d'Edgar alors que j'avais fait le jeu plusieurs fois déjà. C'est assez grave hein. En plus j'ai pas de mémoire, je me rappelle même plus par où je suis passé. Quoi dire que c'était par en haut, donc on repasse par là cette fois. Non, c'est ça. Donc là vous voyez Shadow. Donc soit on n'a pas attendu Shadow, je vous l'ai déjà dit, mais soit on n'a pas attendu Shadow avant la fin du monde, bah il est mort en fait. Et du coup là on le voit pas. Ah mais je sais ce que c'est attaquant putain. C'est Striker en fait. C'est ça ouais. Donc en fait vous allez voir, vous allez comprendre l'épée qu'on a récupérée, il fallait absolument la récupérer pour Archadow. Attends. Qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que je fais? Je me rappelais même plus. Je vais dans le mauvais sens comme un con. N'importe quoi. Alors, je vais plutôt prendre la perceuse parce que sinon il fait tout le temps son attaque qui marche pas là. Dans les temps encore, ça va. Enfin, les temps, pas la rivière. Hein. Enfin, vous avez compris. Enfin, pas le. Enfin, oh, merde. Alors. Peut-être faire un truc là. Un mirateur. C'est une meilleure cause en fait. Ok. Voilà. Ah, maintenant. Chier. Allez, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas, il m'énerve. Merde, mais comment je fais pour me louper cette attaque? Ah mais elle est en arrière, elle, merde. C'est pour ça qu'elle fait des dégâts là, quoi. Ah bah non, elle est en avant. On dirait qu'elle est en arrière, pourtant. Je parle pas de terrain, je parle de Céleste. En tout cas, elle est là, en... ouais. Ouais, t'es sûr. Oh, comme si on l'avait pas remarqué tout à l'heure.
Putain, y'a un boss. Je m'en rappelle plus. Seigneur Behemoth. Oh putain. Bon, en fait, ça crée ses peurs en fait. C'est qui a. Ok. Ça c'est utile, je vous ai dit, sur les gros ennemis, donc voilà, c'est parfait. Il va raconter-moi ce qui va lui arriver. Vous comprenez pourquoi je préfère faire Axelès, hein, vous avez vu la différence de dégâts. Et voilà. Facile, non? Oh putain. Putain, je savais pas ça. Putain, j'ai complètement oublié ce passage. C'est quoi ce truc? Merde, qu'est-ce que je fais? On peut le faire qu'une fois par combat, le truc de terrain. Chiasse. J'avais pas prévu ça. Là, il me fait plus de dégâts, moi. On va pas faire ça. Non, qu'est-ce que je fais? Un troisième là que je me fasse? Non? Bon, c'est pas drôle. Bon, tant pis. Habibé note, même tonnerre, ok. Et attends, et la grotte là, elle continue, merde. Peut-être pas en fait. Donc là, ça bouge tout seul, hein, je peux rien faire, je suis obligé d'attendre ça. Ils ont pas choisi la ville la plus proche, putain. Non, en fait on a pas Realmar du coup. Putain, c'est où qu'on va prendre? Alors ça c'est putain d'important, c'est le passé de Shadow, c'est le plus important de tout le jeu. On en voit que. On le voit que partie par partie, Pardon, j'ai... Donc vous avez compris que c'est Shadow, hein, le gars là. Donc, toi et la fille, alors qui est cette fille? Vous verrez. Strago, hein. Qui
qui n'est pas la mienne, bien sûr. Donc Shadow, c'est fait. Donc il nous manque l'OK. Il nous manque attendez. Loki, Realm, Cyan, Strago et Gogo, le deuxième personnage, donc caché, ouais. Donc 5 personnes. Donc le deuxième personnage caché, je pourrais le faire quand je veux avec le truc de Mog. Mais par contre les ennemis sont chauds, mais bon, avec le truc de Mog, voilà. Putain, j'étais pourtant certain que Realm était dans la grotte aussi. En fait, Realm est dans la grotte si Shadow est mort lors de la fin du monde. Donc je sais plus où elle est. Oh, non, il crève pas en fait. Pourtant, il me semble qu'elle était aussi dans la grotte. Enfin bon, je verrai ça. Donc je pense que je vais faire Realm et Strago. Ensuite, Cyan est loqué. Et Gogo en dernier. Gogo, c'est assez marrant, c'est un espèce de secret en fait pour l'avoir. C'est vraiment bizarre, vous verrez. On doit être dans un monstre en fait. Bon, vous verrez ça. Donc prochaine vidéo, je vais faire Realm et Strago. Allez, salut.